Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens nous en secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi. Psaume 118, strophe 14. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Jésus, je l'observerai, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Appelez le fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains.
Je n'oublie rien de ta loi. Les abîmes forment un piège. Je ne dévie tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Psaume 123. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, alléluia. Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, alors il nous avalait tout vif, dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous, alors il passait sur notre âme, en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs ondes. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours, jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la parole juste, de peur qu'elle ne tende au crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia.
Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse chantait-là, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Oh bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire précieuse fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je fondrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du patriarche Ignace IV d'Antioche, le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection. Notre rédemption est notre déification. L'action salvatrice du Christ ressuscité est la plus grande action doxologique qui soit. La gloire de Dieu est l'homme vivant. S'il est mort et ressuscité pour nous, c'est pour que nous ne vivions plus pour nous, mais pour lui. Cet admirable échange de l'Alliance nouvelle est inséparablement guérison de l'homme, déification de toute la personne et louange de gloire du Père des Lumières. Encore une fois, c'est dans l'action liturgique que nous pouvons le mieux et le plus consciemment dans la foi expérimenter cette puissance de la résurrection. Cette référence inévitable à la liturgie peut nous faire prendre conscience d'un aspect trop oublié aujourd'hui, du mystère de la résurrection. Précisément parce que le Seigneur est passé au-delà de la mort et nous y entraîne patiemment chaque jour, son contact avec nous, qui sommes encore dans la mort, s'opère de façon sacramentelle. Les sacrements sont les organes de l'Esprit-Saint qui façonnent les enfants de Dieu à l'image du premier-né d'entre les morts. L'énergie du ressuscité passe par des signes de cette première création, mais pour les pénétrer du mystère qu'il signifie et réaliser en nous ce mystère. C'est dans le mystère liturgique que nous apprenons à vivre notre vie nouvelle dans l'esprit, parce que la liturgie est tout autre chose qu'un enseignement didactique ou un mémorial. Elle est participation à la vie de l'humanité vivante du Seigneur, désormais cachée dans le Père, mais rayonnante de vie dans ce monde. Thank you.
Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes : Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avait le cœur exaspéré et grinçait des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. La première partie des Actes des Apôtres qui nous a raconté l'implantation de la foi et la vie de la première communauté chrétienne à Jérusalem s'achève par le témoignage d'Étienne, le premier disciple qui a donné sa vie pour Jésus. Le récit que nous venons d'entendre nous place devant notre mission qui est de rendre présent le ressuscité au milieu de nos frères et de témoigner de lui par la puissance de l'Esprit
qui nous habite depuis notre baptême. En suivant la voie que Jésus a lui-même parcourue, nous sommes lancés dans une double dynamique, celle du ressuscité qui nous libère et nous fait vivre, et celle de l'Esprit-Saint qui nous fait des témoins par la parole qu'il nous inspire. Notre réponse à la mission qui nous est confiée ne va pas sans contradiction ni épreuve. Nos frères et sœurs chrétiens persécutés, qui aujourd'hui donnent leur vie pour leur foi, nous le rappellent avec force. Ils nous ouvrent la voie pour aller sans crainte jusqu'au bout du témoignage que Jésus nous demande de rendre afin que son règne vienne. Il s'agit de nous laisser remplir de la grâce et de la puissance de l'Esprit de Jésus, afin que son amour transfigure notre agir humain et que de plus en plus identifiés à lui, nous osions une parole de vérité qui pourra paraître difficile à entendre parce qu'elle dénoncera le mal et le péché. Mais si nous sommes de véritables disciples du ressuscité, notre parole dérangeante sera en même temps une promesse de grâce surabondante de la part du Père des cieux pour chacun de ses enfants. Promesse de la vie éternelle, car le péché de l'homme n'arrête pas la bénédiction du Seigneur. À travers son assassinat, Étienne redit, à la suite des prophètes, le destin sublime auquel Israël et nous avec lui sommes appelés. La vision de la gloire de Dieu et du Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Bienveillance de Dieu offerte à tous les hommes et dont les cieux ouverts sont le signe. Notre témoignage, par la parole et les œuvres, doit placer nos frères et sœurs en humanité devant le Seigneur Jésus, qui vient donner à tous le pardon du Père, manifestation de sa gloire, qui est gloire d'aimer, gloire d'adopter. L'amour de Dieu transforme en pardon et en salut tout geste d'hostilité envers un disciple de Jésus. C'est bien ce que nous montre la présence de Saul, approuvant le meurtre d'Étienne et qui deviendra l'apôtre des nations. Qu'à travers tous les témoins du ressuscité, aujourd'hui réduits au silence, la bénédiction de Dieu se répande jusqu'aux confins de la terre. Thank you.
envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Seigneur Jésus, sur tous ceux qui peinent sous le poids du travail, et sur tous ceux qui peinent d'être sans travail, souffle ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Seigneur Jésus, sur tous ceux qui pleurent la mort d'un proche, et sur tous ceux qui pleurent d'avoir à vivre sous la torture ou la maladie, souffle ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Seigneur Jésus, sur tous ceux qui proclament n'avoir pas besoin de toi, et sur tous ceux qui proclament leur amour de ton nom, souffle ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Dieu sans force, sans immortel, alléluia. Dieu saint, saint, fort, saint, immortel, alléluia. Dieu avec saint Étienne qui a témoigné de sa foi jusqu'au don de sa propre vie dans le martyr, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses.
Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, Lete Ave, Alleluia, qui quoque me vuliste portare, Alleluia, Resurrexit secundixit.